Buonasera a tutti, io sono il direttore dell'istituto, sono Federica Bindi. Sono molto contenta di fare questa cosa qui da noi, perché grazie a Rita che è lì, che è la nostra responsabile dei corsi, abbiamo un'ottima cooperazione con l'istituto romeno, e il direttore dell'istituto romeno fa lezione dalla Sonia, che è dalla Sonia da Roma, che è una delle nostre insegnanti pilastro. Beh, assolutamente, ci sono quelle due o tre insegnanti che se andassero via crollerebbe il dipartimento corsi dell'istituto, e Sonia è una di queste. E quindi, insomma, fa particolare grazie Sonia per aver organizzato questa cosa, mi fa veramente molto piacere essere qui insieme. Io lascio a Sonia l'onere di introdurre il libro, però ci tenevo a salutarvi un attimo. È un tema molto interessante, mi domando se l'ha già presentato negli Stati Uniti. No, non abbiamo avuto il piacere Se lo vuoi fare me lo dica, perché come abbiamo non abbiamo la versione inglese. Bisogna farla, sì. Perché la questione della diaspora, del genocidio armeno, come lei sa, è una questione molto controversa negli Stati Uniti. Tra l'altro in dieci lingue diverse, dobbiamo farla in inglese. Va fatta assolutamente, anche perché è un tema che Specie Viva ha promosso, perché come le sai sapete ancora non hanno formalmente riconosciuto il genocidio romeno. Tutte le volte qualcuno ci prova, succede. 43 stati negli Stati Uniti l'hanno riconosciuto. Sì, ma gli Stati Uniti ci hanno quasi provato, con Obama, e poi sono fermati all'ultimo. Prima di elezione ha riconosciuto, dopo l'elezione ha esitato un po'. Comunque, Sonia, io vi lascio nelle tue capaci mani, e vi ringrazio ancora di essere qui. Io ritorno nel mio cubicolo a lavorare. Grazie mille, buonasera. Allora, tutti conoscete l'autore, ovviamente, il signor Varunjan Pargane. La traduzione italiana, questo è il libro dei sussurri, che qui c'è la traduttrice Anita Bernacchia, ha tradotto un bel volume. Quanto tempo ti ci è voluto, Anita, per la traduzione? Diciamo un anno per la revisione. Quindi è un bel impegno. Dunque, questo non è un libro storico, afferma il signor Bordianel, ma un libro di stato di coscienza. Ci può spiegare perché? C'è un libro di un autobiografia, perché i ricordi non sono i miei ricordi, sono dei ricordi dei miei nonni, dei anziani, dei veri, dei anziani di Foxian, dove io sono cresciuto. E praticamente sono i ricordi di un secolo XX, cioè una biografia del secolo XX, con le guerre mondiali, con i campi di concentrazione, con le fosse comuni, con questa ideologia che è diventato un strumento dello Stato, con gli apatridi, con i genocidi, è un secolo che è diventato vecchio a 14 anni, quando la prima guerra mondiale è cominciato, il secolo XXI è nato vecchio perché ha cominciato con un attentato, ha cominciato con questa malattia del secolo XX, che non è stata capito, noi non abbiamo capito la lezione del secolo XX, e questo è il messaggio capitale di questo. Dobbiamo conoscere meglio la storia del secolo per avere una visione più vera della realtà, e come i tedeschi dicono, Weltanschauung, conoscenza del mondo. Ma
posso fare rivolgere questa domanda? Perché il libro dei sussurri? Il sussurro in italiano è un mormorio, un suono appena percettibile. Perché l'hai tradotto in questo modo? Anche il romano la stessa ci evoca lo stesso, la stessa idea? Io direi di sì, perché certo le consonanti sono diverse, in romeno è carta schwaptelor, quindi schwapta vuol dire sussurro, appunto. E diciamo che per analogia in italiano ha lo stesso suono di dolcezza, diciamo, che ha in romeno. Ed è per questo che ho scelto sussurro, perché appunto rimanda qualcosa detto sottovoce, qualcosa di intimo, perché proprio di cose intime, di confessioni che non possono essere sentite dagli altri, si parla nel libro. Sussurri perché i sussurri sono in questo libro uno strumento di comunicazione molto potente, nonostante si tratti di cose dette a bassa voce. Questo perché ad esempio, perché nel regime comunista non si poteva parlare di determinate cose apertamente, quindi ad alta voce, si doveva parlare sottovoce. Sentire questi sussurri, anzi sono a volte sono nemmeno dei sussurri, sono delle parole appena accennate con le labbra, proprio perché non si poteva essere né sentiti, ma magari neanche visti dagli ufficiali del regime, da chi magari faceva la spia. Si dice che il traduttore conosce meglio un libro che l'autore, perché il traduttore ha vantaggio di essere allo stesso tempo l'autore e la spiaggia, il ritirato dell'autore, e l'interpretazione di Anita è stata corretta, e credo che Anita ha seguito l'esempio del traduttore spagnolo. Il libro si chiama El libro de los susurros. En français, bien sûr, Le livre de chuchotement, qui est la traduction exacte. Perché il libro dei susurri? Abbiamo nella letteratura armena un altro libro scritto per Grigore di Naret, Grigore Naregazzi. Questo libro si chiama Il libro di lamentazione. È stato per il popolo armeno un libro santo. Era praticamente un leggere dei psalmi. Una raccolta di psalmi. Salvi laici. Quando un malato non aveva una speranza di sopravvivere, utilizzavano questo libro per la ultima possibilità di aiutare il malato. Aiutarlo a guarire e dopo a passare. Il nome del libro in armeno è Shishuderu Madian. Madian non significa libro, più che un libro, il libro dei libri, il libro fondamentale. In armeno la traduzione del libro dei sussurri non è il libro, è Madian, perché hanno seguito il modello di Grigore di Naret con il libro dei sussurri. Ho chiesto questo nome prima per fare una relazione con il libro di lamentazione, e dopo il sussurro è il simbolo della sincerità. Anita ha detto molto bene, quando una persona va alla chiesa non grida, certo. C'è un sussurro,
sussurro che è la sincerità, e dopo il sussurro è il simbolo di amore, di una persona che non odia. Io credo che quando l'arte diventa un strumento di odio, non è più cultura, è antico. La cultura dovrebbe mitigare. Sì. Ma lei, in questo libro, lei è un narratore eterogenico, e c'è una focalizzazione zero, lei muove i personaggi, sa tutto, parla ovviamente di un passato che lei conosce dall'inizio alla fine. Ha preso dei fatti storici e li ha messi in una forma romanzata. Quanto c'è di vero, quanto c'è di romanzo? Questo libro è un libro che ha descritto quasi esatto la realtà. Tutti i personaggi sono stati viventi sulla terra. Il traduttore in spagnolo, Joaquín Garrigo, non ha creduto che i personaggi sono stati erano veri. Ha portato il libro con lui e è venuto in Foxian. In Foxian è un tipo di Macondo di Romania, e ha cercato di rintracciare persone. sulle croce, sulle tombe. Sulle tombe, non sulle croce, delle tombe, i nomi dei personaggi. E devo dire che ha trovato tutti gli armeni del mio libro nel cimitero di Foxhall. La differenza tra realtà, come vediamo la letteratura, è il simbolo. Per esempio, conosciamo il libro di James Joyce, Ulisse. Ulisse è una storia molto banale. Un uomo in Dublin durante un giorno. Questo libro porta per l'umanità un simbolo molto importante, che un uomo semplice può essere, può seguire il modello di un'epopea. Quest'uomo, l'eroe di James Joyce, corrisponda al mito di Ulisse, con tutti i racconti di Ulisse, con Circe, con altri personaggi. Ogni persona vive una epopea nella sua vita. La importanza della cultura è di trovare questa essenza, questo senso nella vita di uomo. Vogliamo leggere certamente, un frammento certamente. Per descrivere questa differenza tra realtà e letteratura. Questo frammento è la parte del capitolo 8, è un capitolo molto importante nell'architettura del romanzo, è il capitolo descrivendo il cammino dei deportati verso il deserto di Mesopotamia, di Siria, le sette tappe verso l'inferno di Derzor. Derzor è stato il primo campo di concentrazione nella storia dell'umanità. In 1915-16 in Derzor hanno spinto più di 300.000 persone, praticamente tutti
sono morti di fame, fucilati, annegati, annegati, sì, sì. La realtà è coperta con documenti, con le testimonianze dei sopravvissuti. Però è qualcosa che è un simbolo e noi vogliamo esplicare dopo la lettura. Sì, io sono. Vogliamo partecipare. Dividere. Nella tenda vicina, i due innamorati soffrivano la fame senza poter cercare del cibo, perché la donna non lasciava che il marito uscisse dal rifugio, temeva che i soldati l'avrebbero visto e ucciso. Sembravano nutrirsi l'uno dell'altro e, intrecciati nel loro abbraccio, resistevano. Fino a una sera in cui, con l'arrivo del freddo, si sciolsero l'uno dalle braccia dell'altra e si alzarono. Si tolsero i vestiti e la donna li allungò a Ermine. Mettili sulla bambina, disse. Sta tremando dal freddo. Erano completamente nudi. Ermine li guardò con grande belli. Avevano una luce strana negli occhi. I capelli erano diventati lisci e luccicavano intorno alla fronte. La carne era di un biancore sconvolgente. Le cosce di lei erano arcuate e il seno arrondato, mentre i muscoli di lui si erano avvolti e contratti intorno alle ossa. La luce si raccoglieva in tante gocce che imperlavano le loro spalle e intorno non proiettavano ombra. Siamo venuti per salutarvi, disse lui, ma sembrava non aver mosso le labbra. Poi prese la donna per mano e si allontanarono, e le loro figure rimasero per molto tempo sotto i loro sguardi, forse per il cerchio di luce che aveva avvolto i corpi. Poiché erano così luminosi e così noncuranti, quasi galleggianti sopra la sabbia, Ermine e Sahag aspettarono con l'orecchio teso il rumore degli spari. Ma non accadde nulla, nemmeno all'imbrunire, quando il buio avvolse la terra e la cera dei loro corpi. Rimase solo un odore indistinto, come di fumo, odore di mirra e ambra bruciate. «Sono salvi», sussurrò Ermine. «Vado a dirti di tornare indietro», disse Sahag. «Da quella parte c'è il deserto. Moriranno. Nessuno è mai tornato vivo dalle sabbie». Ermine gli fece cenno di sedersi e gli si fece accanto. «Lasciali, sono belli e senza peccato». Continuò a pensare che Ruben abbia ragione. Parlava del marito al presente, come di qualcuno che era partito per luoghi lontani, ma che sarebbe tornato, anche se all'epoca Ruben era già stato assassinato insieme agli altri uomini del convoglio di Secca. Ruben ha ragione, Dio è morto. Lascia che loro vadano avanti. Qui, dove li hai visti per l'ultima volta, ai margini del campo di Deir ez-Zor, c'è il confine del giardino dell'Eden. C'è la porta del paradiso, a soli due passi da qui. Siamo tornati da dove siamo partiti, al principio di ogni cosa. Ma nel frattempo il mondo è degenerato. Forse loro riprenderanno il mondo dal principio e creeranno un altro Dio. Bon, parce que nous avons ici le représentant de l'ambassade d'Arménie, je vais continuer un peu en français pour expliquer la valeur du symbole dans la littérature. Vous savez, dans le triangle de Tigre et de l'Euphrate se trouvait le paradis. Le jardin d'Éden était sur ce triangle couvert par les deux fleuves. C'est très intéressant, mais cette découverte horrible qui a été le camp de concentration, qui a été Ez-Zor, se situe exactement au point où se s'ouvrait
l'angle de ce triangle. Donc c'était, jadis, un paradis. Mais après quelques milliers d'années, l'humanité est revenue sur place, mais sans ouvrir la porte du paradis, mais en ouvrant la porte de l'enfer. Et Hermine, Sarah, a été le mari de la sœur de ma grand-mère. Il a vécu avec nous, Sarah Chaitanian. Sarah Chaitanian a choisi mon nom, Arujan. Arujan est un vieux nom arménien, et un nom qui signifie le vol. Mais le vol qui existe dans chaque oiseau, c'est le principe du vol. C'est un nom qui ne se trouve pas dans le calendrier chrétien. C'est un nom païen. Mais c'est le nom de famille d'un des poètes les plus fameux. Oui, c'était pas son nom de famille, c'était son pseudonyme. Daniel Varujan ne se nommait Daniel Varujan. C'était son pseudonyme. Varujan est. Non, c'est pas le nom de famille. Non, pas Varujanien. Et Sarah Chaitanian a été vendu par sa mère Hermine pour quelques poignées de farine pour échapper sa vie. Elle a vendu son fils à un arabe. L'arabe l'a baptisé dans la religion islamique. Il a porté pour un an le nom Youssouf. Après ça, il a évadé. Bon, il a évadé, il est venu en Bulgarie, puis en Roumanie, et là, il a rentré à lui, ça va. Bon, quel est le symbole? Il y a deux personnes qui sont aimées, bien aimées, et ils partent vers le désert. Désert, ça veut dire la mort. Ça, c'est rien. Mais il y a autre chose, il y a une espérance. Il y a la possibilité de trouver, de choisir le commencement de notre humanité. Et Hermine dit, laissez-les. Peut-être ils allons trouver un autre pour pas un cercle. J'espère que c'est pas un cercle. J'espère que c'est une spirale. Parce que si c'est un cercle, ça ne vaut pas la peine. Ne vaut pas la peine de recommencer. Donc, c'est pas la réalité est profonde et cruelle et facile à être démontré par les témoignages, par les documents. Mais il y a un petit symbole qui donne une autre lumière à la vie. Et c'est la force de la littérature. Parce qu'avec le symbole, la littérature peut convaincre de plus. Vous avez vu que, par exemple, le Holocauste, n'est pas un phénomène historique, n'est pas un phénomène politique, diplomatique, c'est un phénomène culturel. Le Holocauste a été connu par l'humanité après la présentation aux États-Unis d'une pellicule de cinéma, une série de télévision qui s'appelait Holocauste. Et vous avez vu que la notion de Holocauste a pénétré parmi la culture, parmi les écrivains, parmi les cinéastes, pas parmi les diplomates. Le discours politique. C'est ce qui a manqué au génocide arménien. C'est le support culturel. Les Arméniens se sont canalisés vers la lutte politique. Ils ont ignoré la dimension culturelle. Nous avons, je crois, nous n'avons pas une dizaine d'œuvres littéraires ou culturelles profondes, fortes, sur le génocide arménien. Si vous consultez maintenant une page Wikipédia sur le génocide arménien, vous trouvez Franz Werfel, les 40 jours de Moussadar, le monde de Moïse. Vous trouvez le journal de Henri Morgenthau. Vous trouvez probablement, mais je ne suis pas sûr, Anthony Aslan. Il y a Anthony Aslan. Oui. La Masseria de l'Olme.
Vous trouvez Edgar Gilsarat et Émile de Sousse. C'est trop peu. Ah, nous avons encore deux livres, mais qui ne sont pas littérature en sens vert du mot. Nous avons Maïd de Harry Verneuil et nous avons le livre des mémoires de l'enfance de Charles Aznavour. Et il y a quelques remarques dans l'œuvre de William Saville. Mais c'est trop peu. C'est la raison pour laquelle le génocide arménien, faisant comparaison avec l'Holocauste, est pratiquement énorme. Je peux le dire maintenant parce que j'ai voyagé partout dans le monde avec ce livre. En Amérique latine, en Israël, je ne sais pas, en Europe, le génocide arménien est pratiquement inconnu après, c'est méconnu après un siècle. En Italie, ça a été bien connu aussi, bon, à part un public expert et tout, hein, mais avec le film Les Frères Kamenari, oui, qui ont fait la version qui ont d'après le roman de Antonin Arsenal, dans la série de Léonard, ça a été acheté. Personne. Moi, personne. Il y a des deux. C'est dur. J'ai eu une conférence à Jérusalem sur la similitude et les différences entre le génocide arménien et le génocide juif. C'est très intéressant de voir comment l'humanité a évolué en bien mal. Et comment chaque pays a vécu ça. Pratiquement la littérature parle des vinti, pas des vincitori. La storia, le manuali di storia parlano dei vincitori, di imperatori, di generali. Perché la storia è scritta. La storia scritta è la storia dei vincitori. La letteratura parla di vita. Perché credo che la letteratura è più diretta verso il cuore del lettore. Perché praticamente la storia è stata fatta per i vinti, non per i vinti. Abbiamo per esempio praticamente tutti tutte le grandi figure della vera storia sono personaggi culturali. Abbiamo per esempio Alessandro Macedone, come si dice in italiano? Alessandro il Macedone. Poteva essere semplicemente come Attila, il uno. Uno. Attila è uno. La differenza tra Attila e uno, il Macedone, Alessandro Macedone, è stato che Alessandro ha portato la cultura, ha fatto un atto di cultura. Il ellenismo è stato la grande vittoria di Alessandro. Non la battaglia di Gaugamela, no. Il ellenismo, l'Egitto ellenico, l'ellenismo di Armenia, in Armenia, nel primo secolo prima di Gesù Cristo, abbiamo avuto una civilizzazione ellenistica molto forte. O la differenza tra Hitler e Napoleone. C'è una differenza. Napoleone ha guadagnato, ha vinto, Arcole ha vinto, Austerlitz. Hitler lo stesso. La differenza, perché Napoleone non c'è Hitler? Perché Napoleone è un eroe del continente e Hitler è una figura
studiato. Perché Napoleone ha creato il codice di Napoleone, il codice giuridico. Codice napoleonico. Il codice napoleonico praticamente è stato il governo informale di Europa per le ultime due secoli. Napoleone ha fatto un atto di cultura. Per esempio Dante Alighieri. Dante Alighieri è stato un vinto. Dante Alighieri è stato esilato in Florenza e in Florenza hanno cancellato la condannazione, la condanna di Dante Alighieri in 2008. La condanna di 400, prima di 400, 1300, sì, dopo praticamente 7 secoli. Però il vero vincitore è stato Dante Alighieri. La vera storia, non c'è l'storia delle fortezze, la storia delle battaglie, c'è la storia dei libri, la storia dei tavoletti di argilla di Ninive, la storia dei papiri di Egizio, di manoscritti del mare morto, dei cunaboli di Medioevo, dei libri di Gutenberg, dei ebook. Ora, no, quelli non sopravviveranno. No, se, sicuramente sì. Perché non importa quale il corpo materiale del libro, il più importante è l'idea. L'idea e non la fortezza è l'asse centrale della storia dei uomini. L'espressione diretta dell'idea sono i vinti, perché è facile di vincere quando hai la forza con te, però morire per le tue convinzioni non c'è facile. E i vincitori sono gli uomini che hanno avuto la forza di morire e sacrificarsi per le sue convinzioni. E credo che questo è il ruolo della cultura. Il ruolo della cultura è di parlare dei vinti, di parlare delle idee e di aiutare gli uomini di fare la scelta fondamentale. Noi facciamo scelte ogni minuto nella vita. La vita è una successione di scelte, no? È vero, c'è, perché non puoi descrivere un uomo utilizzando solo un parola, perché le scelte non sono identiche. La scelta fondamentale è tra odio, vendetta e perdono. Le choix fondamental è entre comment oublier, se venger ou pardonner. Quelle est la différence? La différence est fondamentale. Oublier, c'est à toi. C'est à vous d'oublier. C'est une affaire personnelle. Aucune responsabilité dans le fait d'oublier. Mais soyez attentifs. Quand vous oubliez, vous n'avez aucune garantie que le fait d'oubli ne se répète. Donc l'oubli, c'est indifférence. Oubli, c'est le refus de comprendre. Se venger, je crois que c'est l'attitude la plus dangereuse. Pourquoi? Parce que la vengeance
ne diminue pas la souffrance. Jamais l'idée d'améliorer une souffrance en provoquant une autre souffrance ne donne aucun résultat. Dans le monde de souffrance, on ne peut pas se diminuer avec la souffrance d'autrui. La vengeance multiplie à jamais la souffrance. Il n'y a pas une arithmétique du sang. Tu as versé le sang de mon ami, je vais verser le sang de ton ami. 1 égale 1, non. C'est pas 1 minus 1 égale 0, c'est toujours 1 plus 1. Peut-être plus de 1 plus 1, en ce qui concerne l'arithmétique du sang, c'est une arithmétique néo-ridienne. 1 plus 1 ne fait pas 2. Fait plus que 2. Donc la vengeance n'est pas une chose. Je crois que l'attitude la plus responsable et la plus importante est pardonner, le pardon. Parce que le pardon est une acte de responsabilité. Quand tu oublies, tu n'as pas besoin d'expliquer, d'explication. Mais quand tu pardonnes, tu as toujours une explication. Pourquoi tu as choisi? L'oubli, l'oblio, est un monologue. Tu n'as pas interlocuteur quand tu oublies. Mais quand tu pardonnes, tu as besoin de l'interlocuteur. Tu as besoin de quelqu'un qui va assumer les événements, les faits. Quand les Juifs ont pardonné le peuple allemand a assumé les faits, a reconnu les massacres et l'idée absurde de la solution finale. J'ai visité l'Allemagne il y a 2 semaines et j'ai vu un journal qui célébrait un siècle de la naissance de Willy Brandt. Et sur la première page du journal était une photographie avec Willy Brandt dans le genou. Devant la porte du camp de concentration de Dachau. Donc c'est une très claire image de la responsabilité assumée. C'est la raison pour laquelle pour nous et pour les armées c'est plus difficile parce que nous n'avons pas un interlocuteur pour ce qui s'est passé. Donc quand tu perds, tu dois avoir toutes les garanties que les faits pardonnés ne se répètent pas. Donc, mon livre présente tous les 3 alternatives, mais sans donner de conclusion. Je ne dis pas l'oubli est venu, la vendetta est venue, pardon, non. Parce que quand tu poses des conclusions, tu tues l'art. L'art n'a pas de conclusions. L'art pose les problèmes. Les conclusions appartiennent au lecteur, pas au auteur. Si l'auteur a les conclusions avec lui-même, pourquoi écrire? Pourquoi créer? La création est une communication. Si tu as toutes les solutions avec toi, allez-y. Dormez, tranquille. Mais vous n'avez pas de conclusion. Vous posez, vous êtes un témoin, un témoigne. L'art est un témoignage. Le juge et le lecteur. C'est là ma proposition pour vous est d'essayer d'écrire le livre, le livre des sources de votre peuple. Merci. Le peuple italien, belge, si on veut utiliser ce mot, parce que chaque place, chaque temps, chaque peuple a son livre de chemin, je pense, à lui. Dunque, ci sono molte simbologie nel suo libro.
L'Abricolo, qui nazionale armeniano. Che è tutta nazionale armena. Abbiamo le fotografie, il simbolo della memoria, il nonno Garabelli che fotografa, questa è un'altra forte. E poi gli odori, il profumo del caffè, il ricordo, l'impasto della nonna, c'era il baklava. Cos'altro? Gli oggetti, il rosario. Il rosario, i libri, l'odore dei libri, la frutta, fare la mousshabu. Insomma, ci sono tanti simboli disseminati. E lei attraverso la storia della sua famiglia ripercorre anche la storia, la breve storia, quella più vicina a noi, del popolo armeno. Perché scrivere questo? Si dice che non esiste sulla terra un albero solo. Non esiste alberi solo. Puoi avere l'opportunità di vedere un albero solo nella pianta, però quello albero con radici parla con gli altri alberi. Gli alberi hanno il potere di essere tutti insieme perché amo radici. Noi diciamo che non esiste nel mondo un armeno solo perché gli armeni, come gli alberi, hanno radici, onde de racine, e ils peuvent communiquer tous entre eux. Il n'y a pas un arménien seul. Nous avons des Arméniens qui ont créé une communauté illusoire en Singapour, un pays d'Afrique. Ils ont créé leur petite église, mais ils ne sont pas seuls. Parce que si, par miracle, un Arménien raconte un autre Arménien, ils parlent la même langue, ils ont les mêmes mémoires, les mêmes souvenirs, les mêmes traditions, le même anchavol. C'est la raison pour laquelle, quand j'ai fait la description quando ho descritto la vita della mia famiglia, era praticamente la storia del popolo armeno. Borges a fait une description miraculeuse de nombre Aleph. Il a dit Aleph. Aleph est un nombre assez petit, le plus petit du monde. Mais en même temps, il y a dans son noyau pratiquement tous les sens de l'humanité. C'est la même avec nous. Si tu prends un Arménien, c'est comme vous avez déjà la matrice. La matrice. C'est la raison pour laquelle l'histoire de ma famille a été en même temps l'histoire du peuple arménien. Et c'est pourquoi l'histoire du peuple arménien a été en même temps l'histoire du siècle. Je me souviens un livre qui s'appelait « Les marchés en mouvement ». Et cette livre avait un personnage arménien. Un arménien qui a voyagé de la mer Jaune de Chine jusqu'à Anvers pendant le Sepetchent. C'est ça l'histoire des Arméniens. Une histoire errante, une histoire mais qui toujours trouve son identité. Le livre de chuchotement, c'est un livre identitaire pour le peuple arménien. Si tu veux trouver la cuisine arménienne, tu peux le faire. Si tu veux trouver la musique, les héros, l'histoire, les mémoires, la mélancolie, les espoirs des Arméniens, sont là. Vous avez dit, Sonia, que c'est un livre parlant du passé. Non, c'est vrai.
Per noi, per gli armini, la memoria non è parte del mondo. La memoria è parte del presente e parte del futuro. È sempre parte del presente. Perché noi, certo. Sì, noi viviamo con i morti. Certo, ma è attraverso il passato che si conosce, si interpreta. Attraverso il passato definiamo il futuro, certo. E attraverso il futuro possiamo curare, curare il passato. Però la memoria non è parte del passato. No, assolutamente, la memoria è anche importante per interpretare e affrontare il futuro. Sono le nostre basi, le nostre radici. Il mio differenza. Entre différentes formes de trauma. Il y a par exemple le peuple romain arménien, le peuple juif. Pour nous, les traumas sont communs. Si tu demandes deux juifs différents, avec une existence différente, appartenant à deux générations différentes, comment se rapproche génocide juif, leurs paroles seront les mêmes. Pour les Arméniens, elles-mêmes. Mais, si vous demandez deux Romains, quelle est leur opinion sur le communisme? Leurs opinions ne sont pas pareilles, ne sont pas les mêmes. Pourquoi? Parce que si nous tous, les Arméniens, nous avons les mêmes mémoires en ce qui concerne le génocide, deux Roumains n'ont pas la même mémoire sur le communisme. Parce que le communisme, en parlant du communisme, un Roumain a été vaincu, un autre a été vainqueur. Nous avons eu des Roumains pro-communistes et anti-communistes. Nous n'avons pas une mémoire commune en ce qui concerne le communisme. Quand j'ai présenté le livre, non, je vous assure. Quand j'ai présenté mon livre il y a deux semaines en Allemagne, j'ai dit, vous, je essayais de imaginer la dénazification d'Allemagne sans l'existence des pouvoirs alliés, sans l'existence de tribunaux de Nuremberg. Vous étiez capable d'organiser une telle sorte de tribunal? Non, parce que les nazis étaient mieux organisés que vous. Les nazis avaient quelque chose à défendre, la différence entre les coupables et les innocents, et que les coupables doivent protéger leur vie et les innocents seulement les espérances. C'était plus difficile pour vous de dénazifier le pays sans l'existence de forces extérieures de le faire à votre place. Nous, les pays communes, n'avons pas cette chance. Nous n'avons pas eu cette chance. Nous devons nous débrouiller nous-mêmes. C'est très difficile. Parce que le sang des victimes et la couleur du drapeau communiste est rouge. Et c'est très difficile de partager les coupables et les innocents. Et vous pouvez vous imaginer qu'il y a des coupables qui ont paru innocents après la Révolution et des innocents qui ont été blâmés comme coupables. Il y a une ville qui est très importante pour les Arméniens en Italie, Venise. Oui. C'est assez symbolique. Venise, pendant l'Ottocento, un moine arménien qui s'appelait Brital. Brital venait de Sébastien. Brital a vu que le membre d'une organisation statale arménienne peut mener pratiquement la destruction du peuple. Il a senti l'incapacité des Arméniens de préserver leur patrimoine.
nous avons eu un royaume nommé le royaume des Bagratuni. Et la chute de ce royaume a été au milieu du XIe siècle, avec une très grand tremblement de terre et l'invasion des Turcs séleucides. Et puis un petit royaume qui s'appelait l'Arménie cilicienne, une Arménie créée par les croisades et qui a eu une existence éphémère jusqu'au fin de 400. Emeritus a pensé que la solution adéquate est de prier l'aide du pape et a créé une congrégation catholique, la congrégation de Emeritus. Et il doge de Venezia a donné à cette congrégation comme regalo una isola molto vicino di Venezia che si chiamava San Lazzaro. E San Lazzaro nous avons un monastère qui a été un noyau de culture arménienne très forte. Le monastère de Saint-Lazare a été protégé par la Romain qui a détruit beaucoup d'églises et monastères italiens. Elle était si fameuse dans l'époque que George Gordon Byron est venu et a appris la langue arménienne et a créé un petit dictionnaire arménien-anglais sur place à Saint-Lazare. Et vous avez un collège aussi, qui est fermé. Oui, un collège estival. Dans les collèges Morat. Un collège Morat aussi. Et ma fille a appris la langue à Venise. Avec vous. Oui, chaque mois d'août, ma fille, avec auprès des moines, parle avec eux la langue arménienne. Vous savez que ce sont les Arméniens qui ont amené le lion avec les ailes qui est sur la colline à la place en Arménie. Ah oui, je ne savais pas. Oui, c'est des marchands arméniens qui l'ont amené dans les 1200 environ. Même il y a une histoire assez importante. C'est une histoire très intéressante de l'existence arménienne à Venise pendant la première partie du Medioevo. Du Medioevo, je sais. Oui. Encore. Maintenant, à la traduction de l'Anita, dans la première page, maintenant je vais passer les premières parce que sinon, il y a, abbiamo tante, ho trovato solo qui, 5 similitudini. E dice, la più vera delle vite che indosso come un fascio di serpenti. Ancora, la sua ombra odorava di odio e le mie dita scrivendo si macchiavano delle sue ombre come sangue rappreso. Ancora, come il nome di un albero o di una bestia selvatica, e non restano impronte quando corri, per questo camminare sull'erba è senza peccato. Gettavo via i sandali, la sua ombra si adagiava sulla mia ed eravamo felici. E poi è pieno di aggettivi. Questi tu li hai tradotti fedelmente o li hai resi? È una lingua molto poetica. Trovo in italiano io trovo una lingua molto, molto poetica, molto delicata, che si adatta bene al sussurro, pur parlando di cose molto, molto gravi, molto dure, ma è leggera dal punto di vista. Qual è la traduzione? Sì, si tratta di una lingua leggera, che appunto a prima vista può sembrare semplice da rendere in italiano in un'altra lingua, ma proprio le formulazioni più leggere sono quelle più complesse da rendere, soprattutto quando tocca la poesia, come in questo caso il signor Bosganian, vorrei menzionarlo, nasce come poeta, questo si ritrova pienamente nella sua scrittura, che è una scrittura fortemente poetica, con
oltre che filosofica, ecco, questi aggettivi sì, ecco, sono aggettivi che comunque vanno interpretati, le foglie turgide ad esempio, il tronco spesso, ecco, sono aggettivi che non rendono letteralmente gli aggettivi utilizzati in romeno, ma sono traduttori, traditori, certo. Non, traditori, ma non troppo, perché bisogna comunque cercare di trasmettere, ecco, quello che ho cercato di trasmettere è questa sensazione, questa sensazioni molto tattili, appunto, come sì, molto plastica. Sì, sì, esatto. Le mani che si macchiano, le foglie turgide, il tronco spesso, ecco, io mi sento di dire questo, che è una lingua che deve essere interpretata, studiata il più possibile prima di, ecco, provare a renderla in traduzione. Quindi, ci sono domande all'autore, alla traduttrice? Je voudrais m'arrêter sur la compréhension et l'interprétation de drames collectifs. Vous avez fait une comparaison entre le peuple juif et le peuple arménien. La compréhension et ce drame véhiculent d'une génération à une autre génération différemment. Vous ne pensez pas, quand on fait une comparaison, deux réalités génocidaires, le contexte et le résultat ne sont pas les mêmes, d'où l'interprétation, la compréhension de ce drame. Je m'exprime. Si vous prenez le génocide juif qui s'est passé sur une terre d'accueil, une terre étrangère, c'est pas une terre. C'est ça. Et le résultat politique, puisque vous avez fait allusion, compréhension politique, culturelle, etc., le résultat, indirectement, ce génocide des juifs a donné naissance d'un État qui s'appelle Israël. Donc le rapport avec le passé et le présent et le futur n'est pas pareil. Mais le génocide des Arméniens s'est passé sur une terre d'accueil qui a privé des Arméniens de leur terre, de tout leur héritage culturel, etc. Ils sont partis de cette terre et ils ont été privés de leur pays. Alors d'où la différence peut-être de la compréhension de ce drame et l'interprétation. Je ne sais pas, c'est... Une deuxième chose, vous avez parlé de pardon, etc. Oui, l'erreur est... La faute est humaine. Reconnaître ses erreurs, c'est dans le domaine de l'intelligence humaine, même intelligence politique, communautaire ou étatique, etc. Pour pardonner, d'abord, il faut avoir le courage et la force de demander pardon si on veut être pardonné, ou on peut pardonner en tant que peuple chrétien. Alors, vous pensez que l'État turc est en mesure, un État qui est dans le fondement, cet État qui a été fondé par, on va dire, par les assassins. Il faut dire les choses comme elles sont. Est-ce qu'aujourd'hui, les choses ont évolué, l'État turc est prêt, comme un grand pays, à faire ce geste, comme on fait les Allemands ou les hommes politiques allemands, pour que ce drame soit un petit peu pas oublié, pas effacé, mais quand même soit considéré dignement par la communauté des hommes? J'ai eu un dialogue avec les Juifs à Jérusalem et à Tel Aviv sur ce thème, concernant la comparaison entre les deux massacres de dimension horrible. Et j'ai commencé exactement comme vous. J'ai dit, quand les Juifs sont venus en Allemagne, ils ont trouvé les Allemands. Quand les Turcs sont venus en Anatolie, ils ont trouvé les Arméniens. Donc pour les Arméniens, l'Anatolie de l'Est est le berceau historique. C'est une grande différence. Et peut-être... c'est la différence fondamentale pourquoi les autorités turques
me souviens à Buenos Aires. Buenos Aires, nous avons eu une présentation très intéressante au temple de Borges, la Bibliothèque nationale. Et j'y ai resté très surpris. Je suis resté très surpris de voir que devant la bibliothèque n'est pas la statue de Borges, c'est la statue d'Evita Perón. Mais un journaliste m'a demandé directement, vous voulez les territoires de nouveau pour les Arméniens? Et j'ai répondu, je n'ai jamais dit que je veux les terres pour nous. Mais j'ai jamais dit que nous ne voulons pas les terres. Parce que pour dire ce que je veux, j'ai besoin d'une table ronde. J'ai besoin d'un dialogue. Mais pas un dialogue sur l'existence de génocide arménien. Parce que nous ne pouvons pas dialoguer sur l'hypothèse de l'existence de génocide. Un dialogue concernant la reconnaissance de génocide et les conséquences. Jusqu'où nous poussons les possibles conséquences. Revendication matérielle, revendication culturelle, revendication territoriale. Mais nous devons discuter. Nous ne pouvons pas renoncer avant la lettre. Je ne sais pas si maintenant je suis capable de revenir dans les lieux de naissance de mes grands-pères. Je ne crois pas que je veux le faire, je peux le faire. Mais nous ne pouvons pas oublier que nous avons eu 4000 églises, 3000 et 2000 écoles, des écoles. Est-ce que ce n'est pas un oubli déjà? Pardon? Quand vous dites je ne pense pas ou je ne peux pas ou je ne veux pas aller vers la terre. Donc, moi personne. Vers la terre ou vos enfants, vers la terre de vos ancêtres. Donc, c'est moi, pas un oubli? Moi, je ne sais pas si je vais le faire, mais je ne sais pas si ma fille ne veut pas le faire. Bon, je ne veux pas négocier in abstracto avec le mur ou avec le miroir. Je ne veux pas avancer les termes de discussion parce que ce n'est pas une discussion individuelle entre moi et les Turcs. Il y a autre différence en même temps entre le génocide arménien et le génocide juif. Premièrement, le génocide arménien a eu lieu pendant la Première Guerre mondiale, quand les moyens d'enregistrement étaient moins développés que pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je crois que nous avons préservé seulement quelques minutes de pellicule avec une petite image sur les génocides arméniens, une petite pellicule qui se trouve à Hollywood. Faites la comparaison avec la multitude d'images qui ont émotionné l'humanité sur les génocides juifs. Deuxième, les Alliés ont trouvé les camps de concentration sur place quand sont venus en Allemagne. Les autorités turques ont essayé d'effacer toutes les traces après 1916. C'est très difficile de trouver les tombes. Nous avons plus d'un million de victimes sans tombes. Nous avons porté les tombes avec nous. Mes grands-pères ont apporté leurs tombes dans leur poitrine. À leur cœur. Et troisième, les autorités turques ont essayé de contester et d'effacer toutes les comptabilités des massacres. Heureusement, nous avons eu des personnages comme Johannes Lepsius ou Armin Wenger qui ont apporté des témoignages. Et Lepsius a fait la comptabilité sanglante du génocide. Les Allemands
les Allemands, ils ont compté chaque victime. Ils ont préservé les factures du gaz. Il était très fier de ce qu'ils font. Ils ont des photographies avec les victimes, qu'ont des serfs, qu'ont des chidiales. Et c'est la raison pour laquelle il est plus facile de réaliser la dimension des massacres pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y a pas de comparaison. Nous avons perdu 1,5 million. Ils ont perdu 6 millions. Ça ne veut pas dire que le massacre juif a été plus grand que le massacre arménien. Parce que nous avons pratiquement perdu la nous avons été pratiquement partagés en deux. 1,5 million morts, 1,5 million survivants. Le même pour les juifs. 6 millions morts, 6 millions survivants. Il n'y a pas, je répète, il n'existe pas une arithmétique de sang. Et maintenant vient la question, pourquoi les Arméniens demandent d'apprécier la reconnaissance de Genocide? En 1915, les Arméniens étaient presque près à 3 millions, 3 millions et quelques. Maintenant, ils sont 8 millions. Ça veut dire le nombre des victimes est de 8 millions. Parce que le nombre des survivants et le nombre des morts étaient égal. Et on peut un peu s'imaginer que maintenant le peuple pouvait compter 16 millions. Donc nous avons maintenant 8 millions de victimes. Nous n'avons pas 1 million de victimes. J'ai réalisé que le monde des morts continue à vivre comme le monde des vivants. Dans le monde des morts, les morts se multiplient, qu'on se multiplie millions. Peut-être que quand je suis né dans ce monde, dans le monde des morts, a été né un enfant avec le nom Valjean. Je vis comme Perséphone dans le monde. Je ne peux pas trouver ma intégralité parce que nous, les Arméniens, nous avons une correspondance égale, réelle et émouvante dans le monde des morts. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de nous réunir, chacun de nous, dans le peuple entier. C'est la raison, premièrement, morale, pourquoi nous demandons au monde entier la reconnaissance du génocide. Et maintenant, pour répondre à la seconde question, je fais une différence. L'État turc, ce n'est pas une abstraction. Chaque État se compose d'autorité, société civile, institutionnelle. J'ai deux réponses. Les autorités continuent la politique de négation du génocide. Pour les autorités turques, la reconnaissance du génocide est un problème de souveraineté nationale. Ils pensent que la reconnaissance du génocide peut générer la dissolution de l'autorité de l'État. En ce qui concerne la société civile, il y a un progrès visible. Pendant le jour de la commémoration, le 24 avril, on peut compter plus de personnes, la plupart jeunes, qui viennent et donnent offrande à la mémoire des victimes. Mais je veux ajouter quelque chose. Le livre de Chopin, le livre des histoires, n'est pas le livre de génocide arménien. C'est un livre de génocide. Donc nous croyons que notre sacrifice peut avoir une logique dans un monde absurde si l'humanité comprend la leçon, comprend l'importance d'empêcher un génocide pareil d'avoir lieu. À Ciudad de México, j'ai visité le musée du génocide. Je croyais que c'était un musée avec une,
par un département, une partie arménien, une partie juive. Erreur. Il y a eu beaucoup de génocides inconnus en Libérie, en Somalie, en Soudan, en Amérique centrale, en Cambodge. Beaucoup de génocides. Donc le seul sens. En France. De la, pardon. En France aussi. En France aussi. Les Vendéens. À Vendée, oui. Vous vous souvenez de la déclaration de Solzhenitsyn par la commémoration de deux siècles en 1993 sur les massacres de Vendée. Quand j'ai dit qu'il y a une option fondamentale, je ne crois pas que j'ai fait une erreur. Parce que j'ai vu que partout dans le monde, il y a une telle sorte d'option. Par exemple, quand j'ai présenté le livre en Espagne, c'était un débat sur les fosses communes. On a trouvé des fosses communes où étaient enterrées ensemble les victimes de fascistes et les victimes des républicains, ensemble. Et les familles voulaient leur corps, les corps de leurs ancêtres. Et les journalistes ont demandé, quelle est votre opinion sur ces débats? Et j'ai dit, laissez les morts se concilier. Être en communion? Non, c'est concilier. Laissez le mouvement de concilier. Se réconcilier. Laissez les morts se réconcilier. Parce que si les morts ne se réconcilier pas, vous n'allez pas trouver votre paix intérieure. Laissez les morts de résoudre leur problème. N'essayez pas d'intervenir entre eux. Vous avez un belge le même problème entre vous. Il y a un désir d'identité. C'est un livre de chuchotement, c'est un livre des soussouris nécessaire pour ce territoire. Donc nous devons avoir le courage de poser le problème. Et je crois que nous avons besoin de la culture, parce que la culture a un pouvoir à elle, a le pouvoir de vaincre sans rester des vaincus. Une victoire sans vaincu. J'avais une question à l'homme et à l'homme d'État roumain. Vous avez été encore récemment, vous êtes toujours d'ailleurs. La Turquie, c'est un partenaire économique important de la Roumanie. Et vous avez été ministre de l'économie plusieurs fois. Et je me suis toujours demandé comment je vous ai vu à la télé roumaine dire que vous étiez arménien. Ce qui, pour moi, je suis français d'origine. Français d'origine arménienne. On ne peut pas imaginer qu'un arménien dise à la télé, je ne sais pas si vous avez dit que vous étiez d'abord arménien, ensuite roumain, vous avez dit les deux en même temps, pour dire que c'était à égalité pour vous, ce qui est inconcevable quasiment en France. Et après, j'ai vu que vous avez été nommé ministre de l'économie, ce qui n'est pas rien pour la situation de la Roumanie. Et forcément, je n'ai pas suivi à la minute près ce que vous avez fait, mais forcément, vous avez été obligé de négocier des partenariats, des contrats et des choses comme ça avec la Turquie, parce que les relations économiques sont omniprésentes. J'ai été le président de la commission mixte roumaine-turque pour développement économique. Et alors ? J'ai eu une conversation avec Recep Erdogan, j'ai été invité par Süleyman Demirel à Istanbul. Ouais.
Et donc, si on fait l'hypothèse que vous n'êtes pas schizophrène, comment la Roumanie peut prendre le pari ou le risque de nommer quelqu'un qui... Alors, même si votre livre ne parle pas du génocide arménien, mais même s'il parle de tous les génocides, ça a le don d'énerver la Turquie en général. Comment ils prennent le risque de vous mettre, vous, au premier poste? Et comment vous faites pour dire « Ok, je vais négocier du business avec la Turquie et je laisse la question de côté », alors que là, on discute avec les autorités qui posent comme fondement de leur nation la négation de ce génocide. Ça m'a toujours... Enfin, je suis admiratif, hein, je ne suis pas... Mon ami, vous avez raison en ce qui concerne la qualité d'Arménien en Roumanie. En Roumanie, être arménien est un titre d'honneur. C'est vrai. Vous pouvez vous imaginer que moi, comme ministre, j'avais les drapeaux de Roumanie et de l'Union européenne, et sur mon bureau était le drapeau d'Arménie. Moi, comme ministre roumain, je portais le drapeau arménien avec moi. Et personne n'a soupçonné que c'est un acte d'hostilité envers la Roumanie. Parce qu'en Roumanie, les Arméniens sont très respectés et sont citoyens loyaux vers l'État. Mais en ce qui concerne maintenant les relations internationales, en 1991, j'ai visité pour la première fois Arménie. J'avais touché mes 32 ans. 33 jours. Et j'ai eu une discussion avec le Votel Petrosian. J'étais député dans le Parlement roumain. Je représentais la communauté arménienne. Et le Votel Petrosian m'a proposé d'accepter la fonction d'ambassadeur honoraire d'Arménie pour l'Europe de l'Est. Il avait fait déjà des propositions pour l'Europe de l'Est, de l'Ouest, à Charles Aznavour, et pour l'Europe centrale, à Akam Mesrobian, qui était un Arménien de Genève. Et j'ai répondu, Monsieur le Président, en Roumanie, je représente la communauté arménienne. Et je le fais avec ardeur. Jour ou nuit. Mais à l'étranger, moi, comme homme d'État roumain, je représente la Roumanie. Je ne peux pas représenter la Roumanie et l'Arménie en même temps. C'est comme une équipe nationale de sport, de football. Tu ne peux pas jouer en deux équipes nationales. Donc, entre les frontières roumaines, je suis très arménien. Mais sur le plan diplomatique, je ne peux pas représenter que la Roumanie. Deuxièmement, j'ai eu l'occasion de devenir chauffeur. Quand j'étais membre dans le Parlement, chaque année, je présentais une déclaration sur la reconnaissance du génocide. Quand je suis devenu ministre, j'ai cessé ces déclarations parce que mon membre de l'équipe gouvernementale, chaque position de ministre est une position officielle. Et ce n'est pas la position du gouvernement roumain. Les gouvernements roumains sont très hésitants en ce qui concerne la question de génocide. Donc, j'ai encouragé les relations économiques avec l'Arménie, j'ai visité toutes les ambassades possibles arméniennes. Quand je visite, je suis très privilégié. J'ai deux ambassadeurs. Je suis représenté par l'ambassadeur roumain et par l'ambassadeur arménien. Vous avez ici le représentant de l'ambassade arménienne. Mais en même temps, les positions officielles, vous savez, c'est très important de ne pas obliger les autres d'entrer dans ton jeu.
si elles ne vont pas. C'est la raison pour laquelle j'ai hésité d'exagérer mon rôle comme président de l'Union des Arméniens dans le gouvernement. Et en même temps, j'ai encouragé les relations économiques entre la Roumanie et la Turquie. J'ai eu des relations excellentes avec les hommes d'affaires, avec les organisations d'hommes d'affaires turques en Roumanie. Je parle un peu la langue. Je parle la langue arménienne, l'arménienne d'il y a un siècle, un turc un peu étrange. Je crois que la position de l'Arménie doit être supérieure à la position d'un turc négationniste. L'État arménien, peut-être vous vous souvenez, nous faisons plus de politique. Serge Sarkissian, le président d'Arménie, est venu à Paris et a convoqué les leaders arméniens de l'Europe. J'ai participé à ce rencontre. Et il a posé cette question. Quoi faire? Ouvrir les relations diplomatiques avec les Turcs? Non. Pas. Et notre réponse a été, nous vivons ici, c'est facile pour nous de parler. C'est à vous la décision. Et les Arméniens ont décidé et ont voté dans le Parlement et ont assumé officiellement le désir d'ouvrir les relations diplomatiques avec la Turquie. C'est la Turquie qui a fait. C'est très intéressant. Un pays de 29 000 km carrés, sans sortie à la mer, sans une armée de centaines de milliers de personnes, a été plus courageux que la Turquie a eu à se sentir une peur envers la petite Arménie. Donc nous devons être supérieurs et nous devons démontrer à tout le monde que nous n'avons pas disons. Le livre de Chouchotement, c'est le message clair que malgré le fait que les Turcs, les autorités, les soldats ont tué la moitié de ma famille, ce livre n'est pas un livre de rébellion. Ce n'est pas un livre qui pousse chacun à se venger. C'est notre supériorité morale. Je n'ai pas renoncé à mes principes. Non. J'ai démontré que je suis un homme supérieur et que je peux traiter l'interlocuteur comme partenaire malgré ses résistances, ses réticences, ses obtusités, ses rigidités et ses limites. Mais c'est une approche plus humaniste. C'est une approche humaniste. Je dis, c'est votre position, vous êtes plus humaniste qu'au français, on doit respecter. C'est un message de paix, je trouve. Il y a deux moyens communiquer un message de paix. Il y a un message de paix avec un drapeau blanc, de se rendre. Et il y a un autre qui pose des conditions pour que la paix soit morale, honorable, respectée et en assumant l'histoire récente. Donc, mon choix est pour la deuxième. Finalement, Charles Aznavour, quand on lui a posé la question, il se sentait plus arménien que français. Il a répondu 100% français, 100% arménien, parce que je suis comme le café au lait. Quand on a mélangé les ingrédients, on ne peut plus les distinguer. On a un café non macchiato, un café vite. Donc, et vous sentez comment? Vous êtes 100% arménien en Roumanie et 100% roumain en dehors de la Roumanie, c'est ça? Non, je crois que le roumain n'est pas comme un verre. Par exemple, si tu as ici ce verre, et deux bouteilles, tu ne peux pas tourner de l'eau, verser de l'eau en même temps de deux bouteilles, parce que le verre ne peut pas recevoir toute la quantité.
Le corps humain, ce n'est pas pareil. Les aspirations et les espoirs et les mélancolies n'ont pas un corps matériel. Dans le même corps, tu peux assumer de ne pas être. Je suis arménien. Je suis 100% arménien. Toute ma famille, tout mon sang est arménien. J'ai une éducation arménienne très forte. Pour moi, je dis je suis arménien, après ça je dis je m'appelle. C'est ma carte d'identité. En même temps, je suis écrivain de langue morte. C'est pas une contradiction. En Arménie, on m'a dit pourquoi vous n'avez pas écrit le livre en arménien. Et je dis le suivant. J'ai dit que chaque auteur a besoin d'un interlocuteur. Montaigne disait qu'une parole appartient demi au parleur et demi au écouteur, à la personne qui écoute. Le même avec la littérature. J'ai besoin d'un interlocuteur. Et fatalement, mes expériences comme arménien sont limitées. Par exemple, je n'ai pas connu des Arméniens villageois, des Arméniens des milieux ruraux. Tous les Arméniens que j'ai connus vivaient dans les villes. Tu ne peux pas ignorer une paysan. Mais je ne sais pas, je me jure, je ne sais pas comment faire la différence entre le langage de l'urbain et le langage de rural. Les Arméniens aiment beaucoup parler la langue. Ils ne boivent pas trop. Je ne sais pas comment parle un Arménien ivre. Je ne connais pas l'expression littéraire de l'ivresse arménienne. Comment écrire dans une langue dont tu ne connais pas l'ivresse, l'ivrogne. Donc, je suis infini. Je suis infini en ce qui concerne les racines et les aspirations. Mais en ce qui concerne l'expérience de vie, mon expérience est fatalement. Et quand tu écris, tu dois connaître plus que le lecteur. C'est la raison pour laquelle le lecteur achète le livre. Mais j'ai fait autre chose. J'ai rédigé la forme finale de la traduction arménienne. Donc maintenant, le livre a deux originaux, un original en roumain et un autre en arménien, surveillé par moi, avec la contribution de l'auteur inscrit dans la traduction arménienne. Super plaisir. Bon. Ulema Volovedev, Hayer Unikos, Uzem Yafta Marlutunas, Rada Hayder, Shadun Achim Kupaki, Orochos, Ekim, Ishpesa Zimi, Morda, Ashkaris, Ura, Mia, Χαί, με γουστατσάς χαί, και για το πρόβλημα είναι με αργοατσίδε, παιδί, που να κάνει χορούγγια, με γουστατσά. Και εξπρίμε τα ρεκονεσάνς πόρ τα πρισάνς και ρεπορτάς πάνω τα κοντή τα αρμήνη. Bon. L'acheter, soit en italien, en italien, les deux langues.